Bonjour, 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 ça va? J'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux le voir, on se retrouve dans un vlog, hein, donc voilà. Là, tu connais, je m'étais déjà réveillée, mais bon, je t'ai fait une petite mise en scène, toute tranquille, genre je suis en train de dormir, là le réveil a sonné et tout. Tranquille quoi, tu vois. Donc là, voilà, on a pas envie de se lever, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Donc on se lève, petite prière matinale, très très important. Faut toujours dédier les premières minutes de la journée au Seigneur. On blague pas avec ça. Si toi tu blagues avec ça, c'est le monde arrêté, tu vois. Faut pas blaguer avec ça. Voilà, on éteint la petite bougie. Ouais, tout chic, hein. Non, je rigole. Mais bon, voilà. Je suis censée rédiger là maintenant ma to-do list. C'est un truc que je fais la veille, normalement. Mais bon, là, j'aurais pas pu le faire la veille. Donc, voilà, je l'ai fait le jour J. Et puis, voilà. Je vous salue. Je m'étire un petit peu. Un bisou. On va tresser le lit. Et puis, voilà, la journée peut commencer. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, ok? Cette journée, on est très très pressé, on sera très 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 pressé. Je vous aime pas, c'est lui qui est le petit mal élevé. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. C'est une journée un peu chargée, pas chargée du tout, je m'en. Bref, un peu spéciale, parce que je vais aller faire mes ongles et je vous emmène avec moi. Comme vous pouvez voir, normalement, le décor il a changé, tout ça. Je suis pas chez moi, j'ai dormi chez une copine, donc je dois aller me laver. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis chez ma copine, Yazita. J'ai dormi ici et donc là le projet c'est que je dois me laver. Quand je finis de me laver, je m'apprête très rapidement et puis direction le salon de beauté pour faire mes ongles. Donc voilà, je vous reprends. Là j'ai fini de me laver. Petite robe vite fait, je monte vite fait. Ouais, et puis voilà. On s'apprête à sortir, on se regarde un petit peu, petit enjaillement. Bon, vous n'entendez pas le son, mais c'est pas grave. Petit enjaillement devant le miroir, vite fait. Je signale que c'est la copine chez qui j'ai dormi qui m'a dressée. Donc voilà, là on se met en route. Dakar, hein. Voilà, je vous montre pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis on arrive au salon beauté. Voilà. Vous avez vu comme c'est beau et tout. Voilà. Trop beau. Alors, je vous explique. Donc, la prestation qui m'a été faite ici à Ongle Mania, ça a été un cadeau d'anniversaire qui m'a été offert par une copine à l'occasion de mon anniversaire, du coup, logique. Et voilà. Donc, on lui dit merci et on profite. Jour 2. En gros, je voulais pas vous montrer juste la partie où je suis toute chic, toute maquillée, toute propre là. Parce que franchement, on montre trop les strass, trop les paillettes, on montre pas le background. Là, je suis bien vilaine. Tu vois, non, je viens de me réveiller, j'aime pourquoi elle a mon visage. Bref, attends, je mets un peu de la bleue quand même. Vous respectez. On peut pas avoir les lèvres sèches comme ça et parler aux gens. Hein? N'est-ce pas? Donc,
Voilà. Donc, en gros, voilà, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On est déjà on est au 25 février. Là, on est au 25 février. On n'allait pas voir la vidéo le jour J, mais là, on est au 25 février. J'ai prévu faire une liste. Une liste de toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Voilà, toutes les choses pour lesquelles je devrais ressentir de la gratitude. Et ces choses-là, je vais les lister ici. Voilà, donc je vais les lister là. Parce qu'on se plaint beaucoup, on voit pas en fait toujours tout ce que Dieu il fait de bon pour nous. On se concentre plus sur ce qu'on n'a pas que sur ce qu'on a. Et le projet, c'est de pouvoir aujourd'hui justement défocus, encore le vilain mot, défocus de ce que je n'ai pas. Et vraiment me concentrer sur tout ce que j'ai la grâce d'avoir. Donc voilà, là, le projet, c'est d'aller déjà laver mon visage, me brosser les dents, et puis partir à la boulangerie. Toi, tu suis pas le coup. Moi, je suis youtubeuse. là, on va se retrouver pour la partie. Je suis très, très, très en retard. Maddy, il est quelle heure, s'il te plaît? Je suis très en retard, il faut que je me maquille très 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 vite. Donc je pourrais pas filmer tout, de toute façon on n'a même pas besoin que je vous filme tout. J'ai rendez-vous à 17h, il est 16h30. Elle m'a dit, elle me boude parce que je suis en train de prendre tout mon temps. Donc il faut que je fasse très très vite, très 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 vite. Donc voilà, nous sommes arrivés à notre destination. Voilà, on est là. Comme vous pouvez le voir, je vais vous faire visiter vite fait. Je vais vous montrer un petit peu. Léger ralenti pour vous. Oh, trop bête. En gros, voilà, je vous fais visiter vite fait, vite fait, vite fait. Attendez, vous allez voir. The next day. Bonjour les gars, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Donc on n'a pas parlé depuis, donc petite date, aujourd'hui on est le 27 et voilà, vu que mon anniversaire il est tombé en semaine, donc le jeudi, donc hier, avant-hier, on est parti, on est sorti, tout ce que vous avez vu, et là en gros on va sortir encore. On va sortir avec mes copines tout simplement. Bon, désolée si vous entendez du bruit, parce que là je filme pas avec Marine Light, je filme avec la lumière du jour. Donc j'ai dû laisser mes vitres ouvertes, donc il y a les voisines et tout ça qui doit avoir. Bref, là ce qui va se passer, c'est que je vais me maquiller. Mon miroir il est là, c'est pour ça que je regarde là. Je vais me maquiller, make-up, petit make-up vite fait, c'est pas un tuto. Donc les gars, n'ayez pas peur, s'il y a des garçons là, n'ayez pas peur, ne fuyez pas, hein, c'est pas un tuto. Et puis je vais m'apprêter, et puis on va partir. Je voulais vous montrer quelques produits pour les filles. Je voulais vous montrer des produits de beauté, des produits make-up en fait. Donc c'est une marque, c'est une fille qui vient de créer sa marque. Et voilà, soutenons-nous en fait, tu vois. Moi c'est juste pour soutenir son truc. Donc au cas où quelques-unes parmi vous seraient intéressées, voilà, je vous montre. Foro Beauty. Voilà, packaging, c'est vraiment beau. C'est bien fait, c'est vraiment bien. En gros, elle fait que des glosses, des rouges à lèvres et des fossiles. Pour l'instant en tout cas. Donc c'est sur Dakar, toutes celles qui sont intéressées. Voilà, regardez comme c'est beau. Foro Beauty. Voilà. Foro Beauty. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est une jeune fille, hein. C'est vraiment une jeune comme look. Voilà, pour toutes celles qui seraient intéressées, je vous mets son Instagram. Comme ça, vous pouvez voir. Soutenons-nous vivants. J'ai une copine qui a un code promo. Ma copine, elle a un code promo. Les gars aussi, n'oubliez pas, vous pouvez aller acheter ça pour vos petites soeurs, pour vos petites, voilà. On va pas commencer par faire mes sourcils. Il faut que je vous raconte ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est grand, hein? Dieu est bon, hein? Si.
Si je vous dis que là où je suis en train de partir comme ça, là, je ne savais même pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire tout. Hein, mais je n'avais même pas encore l'argent que je vais prendre pour aller manger. Là, voilà, je n'avais pas encore ça. Et je priais, je disais au Seigneur, ah Seigneur, pardon. Moi, j'ai besoin de 30 000 pour partir là où je vais. Là. J'ai besoin de 30 000. Si je vous dis que c'est ce matin que mon téléphone a sonné pour qu'on me ramène les 30 000. Ce matin, ça veut dire que j'étais en train de tout préparer. J'avais tout préparé alors qu'il n'y avait rien sur moi. Franchement, Dieu, il fait des choses. Ayez la foi. Si vous décidez de marcher avec Dieu, marchez avec lui. Et n'ayez pas peur de marcher. N'ayez pas peur de lui faire confiance. N'ayez pas. Ça casse aussi, tu brosses, ça finit pas. Tout ça, c'est parce que je bavarde. N'ayez pas peur de lui faire confiance. N'ayez pas peur de vous soumettre totalement à lui. Parce que. Franchement, le Seigneur, il est bon, il est fidèle et il est grand. Quand j'ai reçu comme ça mon message, j'ai dit « Ouais, Seigneur, tu n'es pas camarade de quelqu'un. » C'est pas le camarade de quelqu'un. J'ai chanté ici jusqu'à. C'est pas le camarade de quelqu'un. À la gourmandine, c'est là qu'on va récupérer mon gâteau et du coup on va récupérer le gâteau et donc je vais vous filmer quand on sera à l'intérieur privé pour que vous puissiez voir vite fait. Je sais même pas si vous entendez ce que je dis tellement il y a du vent. On est arrivé à l'endroit, vous voyez comme c'est beau, je vous montre vite fait, c'est trop beau, c'est un petit coin ici, et puis voilà, je vous laisse regarder. Joyeux anniversaire.